coucou. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien, mais vous voyez, hey, on n'est pas deux aujourd'hui. On est trois. Qui est avec nous? Ben oui, c'est qui celui-là? Ah, c'est hey. Alex. Alex, non! Comment tu t'appelles, toi? Sammy. Sammy. Quand c'est pas le grand, c'est le petit qu'on a. Ben voilà. Ça, il reste avec nous parce qu'il n'y a pas d'école. Fait qu'il a voulu faire les questions et réponses avec nous aujourd'hui. Vous êtes chanceux, hein? Oui, c'est lui qui va poser les questions? Une fois, là. On va faire lire une fois. Il va vous montrer qui sait lire. Il a... Quel âge que tu as, Sammy? 7 ans. 7 ans, hey, bon ah, oui. C'est un grand. Ah oh, oui. Il est chanceux, il est avec son papy et sa mamie, hein? Et... T'ennuyais-tu de nous? Oui. Comment? Beaucoup. Beaucoup, hein? Et puis aujourd'hui, ben, on est dans un parc, hein? Voyez-vous, on est au parc des Grèves. C'est entre Sorel-Tracy et Contrecoeur. Mm-hmm. C'est tranquille, il ne fait pas chaud aujourd'hui, hein? 15 non. degrés? Oui, c'est frais, il y a de la bébite aussi, il y a des maringouins. Il y a des maringouins. Oui, puis on a fini aussi le webinaire qu'on a fait cette semaine. Oui, mercredi, on a fait un webinaire pour la première fois. Techniquement, c'était un petit peu compliqué parce qu'on a fait venir à l'écran des invités, puis ça a bien fonctionné, techniquement c'était merveilleux. On était super contents, le monde était content aussi. Ouais. On va dire, c'est à refaire. Oui, c'est une belle technique, c'était apprécié. Hein? Moi aussi, j'ai beaucoup aimé ça. Beaucoup, ouais, beaucoup. Et puis, ouais. On n'a pas eu de difficultés non plus. Là. Non, ça s'est super bien passé. C'est bon, ben, on va répondre à vos questions. Et puis, c'est tout. C'est tout. Je pense que j'ai 12 questions aujourd'hui. Ah, ben voilà, 12 questions, c'est tranquille. OK, je vais commencer par la première, la deuxième, tu feras la troisième. OK, Sammy? T'es d'accord? C'est parti. OK. On commence avec Lydia Ruiz. Excuse-moi. Bonjour, Lydia. Bonjour, Lydia. Une question. Peindre à l'huile avec 50 % de térématine, 50 % d'huile de lin et quelques gouttes de cicatif et peindre toute la toile avec. Cette méthode est-elle bonne? Oui. Oui, c'est bon. Combien de cicatif? Attends, quelques gouttes. OK, c'est bon. Voilà, c'est ça. 50 % d'huile, 50 % de... L'huile de lin. De solvant. OK. De solvant. Toute la toile, mais en fait, est-ce que vous voulez dire toutes les couches? Si c'est toute la toile au complet avec ça, il n'y a pas de problème. Mais toutes les couches, moi, je dirais non. Mettez plus de, on va dire, de térébenthine dans les premières couches et mettez plus d'huile de lin dans les prochaines couches, les suivantes. Augmentez la quantité d'huile au fur et à mesure que vous avancez dans les couches. Comme ça, même si vous avez du cicatif, vous respectez quand même la règle du gras sur maigre. Et c'est ce qui est important en peinture à l'huile. Toujours, toujours respecter la règle du gras sur maigre. Effectivement, le cicatif, quelques gouttes suffisent. Ça va accélérer un peu le séchage. Mais on va parler d'un séchage en surface, séchage rapide. Maintenant, pour toute la profondeur et l'épaisseur de la peinture, il vaut mieux, toujours pareil, attendre des mois et respecter cette règle du gras sur maigre. OK, on continue avec Nefter. Bonjour Nefter. Vous avez posé une question concernant l'utilisation de l'acrylique. Vous m'aviez gentiment répondu. Excusez, il y a un moustique. vous m'aviez gentiment répondu sur la conservation de la palette. Ma question était mal formulée. C'est ma faute, désolée. Ah. En fait, je voulais savoir si je pouvais peindre en plusieurs séances sur la toile. Peut-on revenir sur l'acrylique déjà sec? Si oui, est-il nécessaire de vaporiser de l'eau avant de reprendre le travail pour les couches picturales adhérentes entre elles? Oui, on peut revenir sans aucun problème sur la peinture acrylique lorsqu'elle est déjà sèche. Vous repartez en peinture, on va dire fraîche sur sèche, mais vous n'avez pas besoin d'appliquer de l'eau ou quoi que ce soit. On part... parce qu'en fait, regardez, moi là, aujourd'hui, je peins en acrylique, je fais un tableau, je fais mon ciel... ma première couche du ciel, après je fais mes arbres, mon chemin en bas, et quand je reviens faire ma deuxième couche du ciel, c'est complètement sec. C'est pareil que si je revenais une semaine ou deux semaines après, c'est la même chose. Le ciel est déjà sec, complètement sec. Donc c'est pareil, si vous travaillez d'une semaine à l'autre ou dans la même journée, c'est exactement la même chose. Il n'y a aucun changement et vous pouvez le faire, oui. Mais c'est sûr que vous allez arriver sur du sec et puis on repart à nouveau. Alors c'est un petit peu... Des fois, un peu plus embêtant, admettons, si vous voulez reprendre juste un petit morceau de ciel, ben, il va falloir refaire le ciel au complet, sinon il va avoir une couleur différente du reste. Voilà. Excusez-moi, il y a des maringouins, hein? Il y a des maringouins, par ici. Non, mais la prochaine, c'est Samy qui veut le dire. Alors, Samy, vas-y. Elle s'appelle comment? Jocelyne. Bonjour, Jocelyne. Linda, comment vous, a...
vous allez être vous mise à peinture. Vraiment un très grand merci pour tout, super fan de toute votre vidéo. Wow! Ouais. OK, je répète après toi. Vas-y. Elle dit, Linda, comment vous êtes-vous mise à la peinture? Parce que, sais-tu pourquoi elle a demandé ça? Parce que la semaine passée, on a demandé ça pour ma papy. Oui. Fait comment je me suis mise à la peinture? Bien, c'est à cause de René. Non, c'est ma faute. Non, c'est que moi, quand j'étais plus jeune, comme j'ai déjà dit, je dessinais beaucoup. Beaucoup de dessins de Walt Disney. J'aimais ça. Mais jamais de peinture. Peut-être la peinture à numéro. Ça, c'est sûr que j'ai fait ça. Oui. Puis après, quand j'ai rencontré René, mais c'est sûr, ça a commencé à m'intéresser, mais j'adore ça. J'en mange. Mais quand j'ai le temps. C'est ça, quand on s'est rencontrés, moi, j'avais déjà mon atelier, ouais. Je donnais des cours, puis j'avais besoin d'aide aussi. Donc, c'est là où elle a embarqué avec moi dans l'atelier. Puis, c'était, on va dire, tu as appris sur le tard, oui, comme on dit. Oui, beaucoup. Hein. J'ai beaucoup appris, surtout, pas avec René, parce qu'il n'y avait pas le temps de me l'apprendre. Non, je n'ai pas donné des cours. Par moi-même. Oui. Et en regardant ses vidéos. Là, plus maintenant, parce que là, je fais des montages. Fait que c'est sûr que j'apprends beaucoup en regardant toutes ces méthodes. Mais avant, je le faisais surtout sur le tas, comme on dit, quand je donnais des ateliers avec les enfants l'été. Fait que j'avais 4 cours par jour. 4 comme à pastel, à l'huile, à l'acrylique. Fait que par moi-même, avec la pratique, mais j'ai amélioré. Ben voilà. Beaucoup. Puis ça, oui. Donc, c'est arrivé comme... par hasard. Oui, hein? Par hasard. Puis, j'aime ça. Veux-tu qu'on marche un petit peu? Oui, on va marcher un petit peu. Là, On va se retrouver un petit peu plus loin dans le parc. Oui, parce que... Pour la suite des questions. OK, à tout de suite. Bon, un petit peu reposé, des maringouins. Oui, on est en plein soleil, les maringouins, mais non pas je qui cite. Non, appelez-vous ça des maringouins chez vous aussi? Non, on appelle ça des moustiques, c'est plus simple. Moustiques, ah, OK. Fait qu'on continue avec Géo. Bonjour, Géo. Bonjour, Géo. Elle dit bonjour, Linda et René. Merci pour votre bonne humeur à chaque fois. Vous allez si bien ensemble. Quelle belle complicité. Ça, c'est vrai. On a toute une complicité, toutes les deux. Oh là là. Oh mon Dieu. Une chose, vous n'êtes pas avec nous, mais 24 heures sur 24. Ouais, même des fois, c'est trop. Bon, elle dit, pourriez-vous y intégrer notamment les médiums Sennelier Green? Je ne sais pas si vous connaissez. Ce sont des médiums verts à base de plantes, adaptés pour ceux qui peignent à l'huile, mais qui sont gênés par les odeurs des médiums. Elle utilise ça, là. Elle débute à l'huile, mais le vendeur n'explique pas comment et en quelle quantité les utiliser, notamment pour respecter le gras sur maigre. Je comprends cela, mais je n'arrive pas à savoir comment il s'y prend entre les différentes couches. Oui, je suis allé. Moi, je connais pas ça. J'ai jamais utilisé ça. Alors, je suis allé voir sur le site de Sennelier Green. Ils donnent pas grand-chose, mais par contre, ils donnent un lien vers un blog et un blog d'une personne qui est spécialisée là-dedans et qui explique vraiment comment s'en servir. Alors, il dit, on utilise ces produits comme des produits ordinaires, l'huile. D'ailleurs, ils utilisent l'huile de cartame, c'est déjà une huile connue pour la peinture à l'huile depuis très longtemps. C'est végétal, de toute façon. Donc, vous savez, l'huile de lin, c'est végétal, l'huile de cartame aussi. La plupart des huiles qu'on utilise en peinture, c'était déjà green, c'était déjà vert. Okay. Bon, peut-être la térébenthine aussi, c'est pas mal vert. Sauf que là, maintenant, ils ont remplacé les produits à base de pétrole par des produits... plus végétaux, excusez,
Et donc, c'est moins nocif, etc. Ils disent même que leurs peintures, tout ça, leurs produits ne sont pas nocifs. Ils disent qu'on peut l'utiliser comme des produits normaux, mais qu'il faut faire attention à certaines choses, comme par exemple, leur médium est moins fluide et un petit peu plus opaque. Des choses comme ça, mais donc, bah peut-être je vais mettre le lien dans la description. Oui, hein. Ça serait bien. Je vais mettre le lien dans la description sous la vidéo, vous allez voir donc ce blog et vous allez pouvoir vous comprendre vraiment comment utiliser tous ces produits-là. Mais la façon dont il explique ça, il dit, mais de toute façon, même les produits habituels, la plupart des gens ne savent pas les utiliser. Alors voilà, c'est comme si on faisait pas ça habituellement comme il faut et puis c'est très c'est un spécialiste on va dire très très poussé, voilà, peut-être un peu plus que ce qu'on est habitué à voir et entendre d'habitude. Mm-hmm. OK, on peut continuer avec Véronique Marie. Elle dit bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique, excusez, je check mon petit-fils en même temps. Il se jette à l'eau, il va tomber dans l'eau. Non, il est ici, il est avec nous, mais bon, il veut dire bonjour. Oh, yeah. Il se promène avec mamie papy, ça lui fait du bien, hein. Sauf, qu'est-ce que tu n'aimes pas ici? Les moustiques. Les moustiques, hein? On continue, une dernière question, on va marcher avec, OK? Il veut en lire un autre, mais tantôt. Ah, tu veux lire une question après, oui, une petite. OK. Véronique, bon, bonjour Linda, bonjour René. Elle finit actuellement la reproduction des tournesols de Van Gogh. Oui. Certaines de mes couleurs ne sont pas assez nuancées et j'ai souhaité faire un glacis sur certains éléments pour moduler les couleurs. Malheureusement, je n'avais pas de liquin pour faire le glacis. J'ai essayé de faire avec le mélange 25 % de solvant, 75 % de lin, puisque j'en étais à la troisième couche. J'ai beaucoup dilué ma couleur avec ce mélange. Je suis satisfaite du rendu, mais j'ai eu l'impression que ma toile n'appréciait pas cette méthode parce qu'elle granulait. Ouais. C'est un carton entoilé. Qu'en pensez-vous? Okay. Ben, moi, je pense que ça donne l'impression que ça granule. Ça ne granule pas vraiment, mais vous avez certainement fait réapparaître un petit peu le grain de la toile. En utilisant cette méthode, ça a peut-être un petit peu retiré de la peinture sous-jacente, celle de la première couche, ce qui vous a fait apparaître un peu plus le grain de la peinture, je pense. Maintenant, si vous trouvez que ça granule un peu, c'est parce qu'à ce moment-là, ça granule, c'est parce que le pigment est moins bien réparti. Parce que ce que vous utilisez pour faire votre glacis, c'est trop liquide. Donc, c'est sûr que pour remplacer le liquin, il y a un substitut au liquin pour les glacis. Comme ils faisaient il y a 200 ou 300 ans, ils utilisaient juste de l'huile de lin. C'est tout, de l'huile de lin, tout simplement. Et pas de médium, pas de diluant à peinture, juste de l'huile de lin pure. Parce que c'est ça le diluant qui va rendre ce médium-là trop liquide. Et c'est là où on va avoir de la granulation sûrement. Donc, en gardant l'huile de lin qui est un peu plus épaisse, peut-être même qu'ils utilisaient de l'huile de lin, cuite, hein, qui est déjà plus épaisse aussi, un peu comme du miel. Peut-être, je ne sais pas, mais de l'huile de lin, normalement, ça fonctionne, mais le temps de séchage va être extrêmement long entre chaque couche. OK, il veut en faire une tout de suite. On va aller avec, comment est-ce qu'elle s'appelle? Lise. On dit bonjour, Lise. Bonjour, Lise. OK. J'aimerais apprendre à faire le chrome pour faire une moto. Est-ce que ça existe? OK, je répète après toi. J'aimerais apprendre à faire le chrome pour faire une moto. Est-ce que ça existe, la couleur chrome? Ah, la couleur chrome. Merci, Samy. Ben, vous savez, il existe des tubes de peinture métallisés, argentés, tout ça. Mais il ne faut surtout pas utiliser ça pour représenter du métal sur une peinture. Pourquoi? Parce que si vous représentez du chrome, admettons le chrome d'une moto, il a une forme, ça fait des creux, des bosses, il va y avoir... le métal va refléter de manière différente. Donc, surtout ne pas appliquer de peinture métallique sur la toile qui, elle, est plate, parce que ça va donner quelque chose de plat, de gris. Il n'y aura même pas de brillance selon comment c'est exposé à la lumière, ou bien ça va tout devenir blanc selon comment c'est exposé à la lumière. Je pense que j'en ai déjà parlé. La meilleure façon pour représenter du métal, c'est d'observer, de regarder et de peindre ce que vous voyez comme vous le voyez, sans penser que c'est du métal, sans penser que ça brille. Voilà. Prenez la photo de la moto, vous l'imprimez. Vous l'imprimez. Et là, vous voyez le métal brillant, le chrome, comment il est représenté sur votre photo imprimée. Et dites-vous une chose, ma photo, c'est juste des taches d'encre sur du papier blanc.
Donc, ça ne brille pas. Ça donne l'impression que ça brille, mais ça ne brille pas. Les taches d'encre ont, par leur répartition sur le papier, donné l'impression que ça brillait. Attendez, je vais juste me gratter la tête. Je pense que j'avais un moustique qui était dessus. Et donc, avec la peinture, vous faites pareil. Vous faites des taches de peinture qui vont donner l'impression que ça brille. Comme vous le voyez sur la photo, vous avez juste à imiter ce que vous voyez. C'est comme ça qu'on fait tout ce qui est métallique, qu'on fait tout ce qui est brillant et qu'on fait aussi tout ce qui est transparent. Okay. On continue à marcher? On marche un petit peu? On vous revient dans 2-3 minutes. On revient tout de suite après. Enfin, on est sorti du bois. Oui, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui s'est passé dans le bois, Samy? Qu'est-ce que c'est que tu n'aimes pas dans la forêt? Les marégouins. Ouais, on a été obligé de sortir de la forêt tellement qu'on avait des moustiques. Puis ah, on ne ah, oui. s'y attendait pas. Donc, on a mis le masque pour se protéger. On n'a pas mis d'anti-moustiques sur nous. C'est ça, j'ai vraiment oublié. Fait qu'on va continuer ici nos questions. Mais il n'y en a plus beaucoup. Hein? Non, non, non. Fait qu'on continue avec Monique Tremblay. Bonjour Monique. Bonjour Monique. Elle dit, j'aimerais savoir aussi pour les médiums suivants que vous venez d'expliquer, les 3 étapes pour les médiums sur la toile. En premier, le diluant térébenthine. Deuxième couche, l'alkyde. Et troisième couche, ajouter un peu d'huile. C'est ça que j'ai de la difficulté à comprendre. Est-ce qu'il faut réappliquer à chaque étape le médium à peinture partout sur la toile et faut-il attendre que ça sèche? Voilà. Partout sur la toile, non. C'est aux endroits où vous avez besoin de revenir pour repeindre. Si ce n'est pas nécessaire, vous n'êtes pas obligé d'en mettre partout. Est-ce qu'il faut que ce soit sec avant de... Oui. Si vous voulez remettre donc des nouvelles couches avec... Il y a encore des moustiques là, regarde. Avec ces médiums-là, il faut que ce soit sec. Parce que si ce n'est pas sec, ben, on reste avec le même. On ne change pas, tout simplement. Donc... Ouais. La première couche, comme je vous disais, juste du diluant à peinture. Si vous voulez mettre un petit peu de... C'est quoi, du liquin qu'on parlait? Oui, ou... du liquin. Ah non, alors attendez un peu là. Attends, elle demande, elle dit en premier diluant, le premier diluant térébenthine, la deuxième couche, l'alkyde. Ah, l'alkyde, OK. OK, on ne parle pas de liquin, on parle d'alkyde, OK. Donc, première couche térébenthine ou diluant à peinture, oui. On peut rajouter un petit peu d'alkyde aussi dedans si on veut. Deuxième couche avec de l'alkyde seulement, troisième couche avec de l'alkyde mélangé avec un petit peu d'huile. Mais pas de l'huile pure, sinon ça ne séchera pas, c'est long. Donc on rajoute un petit peu d'huile à la deuxième couche, tout simplement. À la troisième couche, pardon. Demande-là s'ils peuvent t'aider à les tuer les bébites, hein? Ah oui, hein? Tu lèves la prochaine question, regarde, elle est courte. Tu veux-tu la lire? Bon, c'est Désiré, bonjour Désiré. Bonjour Désiré. OK, tu peux la lire? Peut-on? Apporter. Non, opérer. Opérer de la même façon en acrylique. Acrylique, ça. Si on couche diluée l'eau et les autres avec moins d'eau et pure en dernière couche. Merci. Merci. OK, je répète bon. Pour Samy. C'était pas facile parce qu'il y a des mots difficiles, puis ça a été, il y a marqué c'est-à-dire, c'est, il y a juste ouais, la lettre c'est à ça, dire. Ouais. C'est ça, c'est pas OK. Peut-on opérer de la même façon en acrylique, c'est-à-dire,
la première couche diluée à l'eau et l'autre avec moins d'eau. Oui, alors si on regarde comment on peint, oui, c'est ça, comment on peint, comment, non, en fait, non. Au début, oui, mais après, non. Comme on peint à l'huile, vous savez, première couche très diluée avec du solvant, deuxième couche, on peut utiliser de la peinture pure, mélangée avec un peu de médium à peindre, et la troisième couche, peinture pure avec un peu de médium et un peu d'huile, des choses comme ça. Non, à l'acrylique, c'est différent. À l'acrylique, on peut appliquer une première couche diluée avec de l'eau, comme on peut la diluer aussi avec du médium acrylique. Mais le problème, c'est que vous allez avoir une mauvaise répartition des pigments. L'acrylique, normalement, on va l'utiliser pur du début jusqu'à la fin. Voilà, tout simplement. Vous ne cassez pas la tête, vous ne posez pas de questions sur le temps de séchage, sur est-ce que ça va craquer dans les années futures ou autre. Non, il n'y a pas de problème avec l'acrylique. Simplement qu'on va l'appliquer des fois un peu dilué à la première couche parce que c'est plus facile à appliquer pour juste une première couche, pour teindre notre toile sans vraiment faire de détails, tout ça. Donc, moi, je la dilue avec un petit peu d'eau quand c'est nécessaire. Puis c'est tout, mais très peu d'eau, pas beaucoup là. Et après ça, on peint avec la peinture pure, acrylique pure tout le temps. Mais attention, moi j'utilise une acrylique qui est très épaisse aussi, il faut dire. Hein. Mm-hmm, oui. Ouais. Ok, on continue avec Gilson Claudine. Claudine, bonjour, oui, Claudine. Bonjour Claudine. Peut-on remplacer le gesso par du médium acrylique plus talc? Ou peut-on trouver une liste des pigments qui ne sont pas sur les listes habituelles? Alors, c'est deux questions. La première, peut-on remplacer le gesso par du médium acrylique plus talc? Le gesso, c'est du gesso. Le remplacer par du médium acrylique plus talc, je ne sais pas. Peut-être que oui, moi, je n'ai jamais fait ça. Je prendrais plutôt même une peinture pour les plafonds, pour les maisons. Ça remplacerait le gesso, ça oui. Ou bien de la peinture acrylique blanche aussi, ça va remplacer du gesso. Sauf que ça va être plus lisse, c'est tout. Mais sinon, ça fonctionnera aussi. Médium acrylique plus talc, essayez-le et vous me direz ce que vous en pensez. Je ne connais pas. Je n'ai pas fait ça, je n'ai jamais fait ça encore. Pierre demande si tu sais si on peut trouver une liste des pigments qui ne sont pas sur les listes habituelles. Moi, j'irai chercher. Le premier endroit où j'irai chercher pour les pigments, c'est sur le site internet de Kama Pigments, qui est ici à Montréal. C'est Vous allez avoir beaucoup, beaucoup d'informations sur leur site internet. Beaucoup d'informations sur comment faire vos peintures vous-même, tout ça, tous les pigments qu'ils vendent, les pigments qui existent maintenant. Est-ce qu'il y en a ailleurs? Il faudra faire des recherches. Moi, c'est le seul endroit où j'irai d'abord, que je connais. Voilà. Kama Pigments. OK, on continue avec Jean-Jacques Passerini. Bonjour, bonjour Jean-Jacques. J'ai une question concernant la signature. Oui. Faut-il signer de son nom en toutes lettres ou que les initiales? Y a-t-il une règle ou c'est au choix? Moi, je vais vous répondre tout de suite, c'est au choix. Parce que moi, parfois, je signe LM ou je signe tout au complet Linda Milone. Est-ce que j'ai raison? Oui et non. Oh, oui, parce qu'on peut faire ce qu'on veut absolument. Cependant, si tu exposes tes toiles et qu'il y en a qui sont signées LM et d'autres Linda Milone, on ne pourra peut-être pas savoir que c'est la même personne. Ah oui. Alors, il faut être conséquent et cohérent, c'est-à-dire que si on choisit de signer que les initiales, il faudra que ce soit toujours que les initiales. Oui, d'une certaine manière. Le nom au complet, toujours le nom au complet, que ce soit toujours la même façon qu'on va signer tous nos tableaux. Ah, oui. Non, au premier, c'est vrai, je signais LC, mon nom de jeune fille, mais c'était trop long. Oui. Je faisais LC. Mais là, maintenant, je fais le 2001. Mais moi, au début, j'ai signé RM, oui, oui, oui. RM au début, aussi. Puis après, j'ai dit non, non, là, quand j'ai appris comment il fallait faire, j'ai dit non, je vais marquer René Milone, parce que ça peut être RM, n'importe qui. Oui, c'est vrai. Mais sinon, qu'est-ce que tu peux faire? Tu signes en arrière de ta toile. Oui, mais ça, il faut le faire aussi, mais la signature en avant est importante. Oui, c'est ça. OK, on continue avec Christian. Bonjour, Christian. Bonjour, Christian. Salut, René. Et salut, Linda. Tu dis... ça, c'était la vidéo de mercredi. Hein? Ah, okay. Tu dis les pinceaux à tremper dans le diluant pour attendre. Oui. Mais n'est-ce pas plutôt dans l'huile pour éviter qu'ils s'abîment? Deux ou trois jours dans du diluant, mon Dieu, excusez. Lui, il a peur pour l'épaule du pinceau. Oui, deux ou trois jours dans le diluant, j'ai peur pour l'épaule de pinceau. Ben oui, moi aussi, j'aurais peur. Non, si je les mets dans le diluant, là, c'est juste pour 5 minutes, là. Ouais. C'est juste une heure, deux heures, là, tu sais, le temps de... Mais même 2 heures, c'est trop long. Ouais. Juste le temps de faire une pause ou autre. Mais sinon, moi, dès que j'ai fini de peindre, je nettoie mes pinceaux, je les lave au savon et je les range,
Mais je ne laisse pas tremper dans le diluant longtemps. Non, non, pas du tout, il ne faut pas, effectivement. Non. Dans l'huile, ouais, pourquoi pas, c'est une bonne idée. Sinon, si on n'a pas le temps de nettoyer, vraiment, il faut partir vite, 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 là. Je les mets dans du film plastique, du film étirable plastique, là, la pointe du pinceau là-dedans, puis ça ne séchera jamais. On peut même laisser beaucoup de peinture dessus, notre touffe de poils, avec du plastique autour et ça ne séchera pas. Là, on peut revenir trois jours après, c'est prêt à être utilisé. Ben, c'est comme quand on fait les murs. Oui, c'est ça. On met dans du plastique, ça ne sèche pas. Non, pas du tout. Fait qu'on finit avec Dalel. Ça va être Samy qui va nous le dire, parce que c'est une petite... Dalel, souci. Okay, bonjour Dalel. Je me demandais si on imprime notre photo en noir et en blanc. Est-ce que ça permettrait de voir les contrastes plus visiblement? Wow! Oui, On répète, on ma mamie va la répéter. Je me demandais si on imprime notre photo en noir et blanc, est-ce que ça permettrait de voir les contrastes plus visiblement? C'est ça? Oui. Oui, absolument. Ben oui. C'est sûr que les contrastes vont être plus visibles parce qu'on ne va plus voir les couleurs. Cependant, supposons que vous avez un paysage avec un toit rouge dans une forêt verte. Le contraste de couleurs rouge et vert complémentaires est très fort. Mais si l'intensité du rouge et du vert sont égales, en noir et blanc, on ne verra plus la différence entre le toit rouge et le feuillage vert. On ne verra plus du tout. Donc, le noir et blanc, à ce moment-là, il ne va pas nous permettre de mieux voir les contrastes et les valeurs. C'est pour ça que si on utilise, par exemple, un logiciel comme Photoshop, il existe une fonction pour mettre la photo en noir et blanc qui va nous permettre de régler l'intensité du noir ou du blanc, là, selon les couleurs, pour chaque couleur. On va l'avoir pour le rouge, pour le magenta, pour le bleu, pour le cyan, pour le violet, pour le vert, pour le jaune. Chaque couleur va avoir son curseur et on va pouvoir agir avec ces curseurs pour éclaircir ou foncer chacune des couleurs individuellement. Et ça va nous permettre d'apporter, à ce moment-là, de jouer avec les contrastes sur le noir et blanc. Et votre photo va être beaucoup plus belle en noir et blanc en travaillant de cette manière-là. Alors, c'est sûr que si on met juste la photo en noir et blanc, c'est pour certains cas, oui, on va plus voir les contrastes, mais pas tout le temps. Voilà, c'est pas systématique, ça dépend des couleurs. C'est fini, Sandy? C'est fini! On est tout fini? Oui, hein? Enfin, on va pouvoir se mettre à l'abri des moustiques. Ça a été quoi ton impression de faire une vidéo avec Mamie Papi? T'as-tu aimé ça? Oui. Oui, pourquoi? Ah bon. C'est une nouveauté pour lui, hein, c'est ça, voilà. C'est quelque chose de nouveau. Tu vas devenir populaire, là, on va dire, ah, ben bonjour Samy, où est-ce qu'il est, Samy? Ici, là, derrière la caméra, il y a seulement 74 000 personnes qui te regardent. C'est pas beaucoup, hein? C'est tout, 74 000 personnes, tu on vois. On se cache. Ça fait comme, je sais pas moi, 7 fois le Centre Bell. Ah mon Dieu, mais c'est pas grave. Deux fois le Stade olympique de Marseille. Mais on vous remercie aussi pour les likes que vous mettez. Merci beaucoup. Qui nous permet toujours de grandir. Ben oui, merci. Et on a eu des nouvelles de celle qui a gagné. Hein? Ah oui, ça y est, elle s'est manifestée. Oui, c'est un assez fan. Celle qui a gagné le tableau, oui. Oui, fait qu'elle nous a donné... Isabelle, c'est Isabelle, oui. Elle nous a donné son adresse, fait qu'on va lui expédier. On va pouvoir lui envoyer le tableau. Mais n'oubliez pas, Isabelle, hein, une photo de vous avec le tableau. Moi, j'étais content, pas de nouvelles, je me suis dit, je vais pouvoir le garder. C'est ça, il dit. Mais c'est un peu de nouvelles. Non, on va en donner des nouvelles. Ben oui, c'est sûr. C'était juste. Oui, sinon, on vous aurait encore recontacté de toute manière. Oh, oui. Puis on est bien content que vous avez gagné. Ben oui, ça nous c'est fait plaisir. C'est sûr, on ne peut pas faire gagner tout le monde, malheureusement. Une autre fois, autre chose, une autre fois. Ben oui. On va faire tirer Samy. Non. Hein, on va enfin pouvoir s'en débarrasser. Non.
tapis. Fait qu'on va vous laisser là-dessus. Oui. Merci beaucoup. Merci infiniment. N'oubliez pas les pouces en haut. Et on se revoit donc la semaine prochaine pour une autre vidéo des réponses à vos questions et mercredi pour la vidéo puis technique. Tu montres des photos de notre balade? Oui, bien... Ils l'ont vu déjà là. Ah oui, tu leur as montré. Oui, j'ai montré au fur et à mesure qu'on avançait dans le bois. D'accord, il n'y a pas de problème. À bientôt. Merci. Bye-bye.